Aujourd'hui les amis, c'est le bon, le bonobo, le capitaine des pirates du singe musclé. Et nous sommes actuellement en compagnie de 08 avec un pic dans le pet. Tu passes un bon moment 08? Je passe un bon et agréable moment en ta compagnie et en compagnie de ce pic dans mon pet. Effectivement, c'est un moment très piquant, on peut clairement le dire. Mais si toi aussi tu veux du piquant dans ta vie et tout simplement rejoindre l'équipage du singe musclé, il va falloir t'abonner à cette chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description, mettre un like sous cette vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas que je suis en live Twitch tous les soirs de 21h à 23h et 4000 membres sur mon Discord ont fait gagner un free permanent. Bon, Zermit le kiwi. Ouais, vas-y, dis-moi tout, ne boule, boule. Alors, reste bien là, je vais extraire le jus de ton kiwi grâce à ce pic. Attends. D'accord. Oh, attends, je tire sur tes jambes. Clac, clac, clac. Aïe, 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 ça fait mal, hein. Oui, bah oui, mais je me rends bien compte, tu sais que c'était. Tu sais qu'être sur un pic comme ça, c'était une torture au Moyen-Âge. Oh. Donc là tu viens de me torturer façon Moyen-Âge. C'est ça exactement, c'est une torture du Moyen-Âge complètement cosmique. Mais aujourd'hui je vais te proposer quelque chose de ludique et de complètement immersif. Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que j'ai à te proposer aujourd'hui? Oh bah oui, oui, je veux carrément savoir ce que tu vas me proposer aujourd'hui, dis-moi. Eh ben écoute, ce que j'ai à te proposer, est-ce que ça te dit de farmer pendant 3 heures d'affilée? Ouais, ça me dit carrément, j'ai carrément envie de farmer pendant 3 heures d'affilée, Nobo. Arrête, t'es en train de mentir. T'es en train de mentir, tu détestes farmer. Non, en vrai, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de gagner un fruit permanent, mais uniquement si tu arrives à trouver le fruit que je cache. Oh. Ah ouais? Bah ouais, bah carrément, allez, un fruit permanent, si on va, vite, vite, dépêche-toi. Alors, t'es chaud, alors je t'explique. Alors, c'est très très simple. Le fruit permanent que tu gagneras, ce sera tout simplement le fruit que je vais spin. D'accord? Donc lorsque tu auras réussi à trouver le fruit que j'aurais caché, on va aller spin un fruit et c'est celui-ci que je devrais t'acheter en permanence, d'accord? Oh, trop bien, allez c'est parti, ah, donc, on peut y aller. Donc tu peux avoir très très bien le fruit du kilo comme tu peux avoir le fruit du dragon ou du léopard. Oh oui, le fruit du léopard, ça me tenterait vraiment vraiment bien. Allez, let's go jouer parce que moi j'ai carrément envie de gagner un flipper. Ok, c'est parti, je me transforme en chat et on va du coup aller chercher ça. J'ai un petit chat. Ok, vas-y, donc let's go. Alors mon ami, alors je sais où j'ai caché le fruit et du coup tu vas devoir le trouver. D'accord? Pour commencer du coup la recherche, je vais te faire une petite énigme à laquelle tu vas... tu veux bien arrêter de voler, t'as un dragono? Bah oui mais j'ai mes ailes qui sont poussées, j'aime bien. Mais tu sais que t'es pas trop un dragono, t'es plus un dindono, hein, mais bon ça c'est une autre histoire. Oh, oh là 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 là. Oh là là, le non-respect du léopard envers le dragon. Bon du coup, mon chéri, alors du coup pour trouver qui est tout simplement caché, le premier indice c'est l'île où ce fruit est caché. Les princesses ont l'habitude de dormir. Les princesses ont l'habitude de dormir, donc ça serait un château, ça serait sur cette île du coup. Je ne sais pas, est-ce que réellement sur cette île il y a un château? Moi je vois plus des immeubles en décomposition. Ouais. Attends, princesse, île des femmes peut-être? Ah non, c'est un volcan. Bon, viens, viens, on va marcher et en même temps, je vais te dire qu'est-ce que j'en pense. Parce que les princesses... Oh, mais si, dans les nuages. Dans les nuages, dans les nuages. Mais oui, il y a des châteaux. T'as jamais des princesses vivent dans les nuages? Bah oui, dans les châteaux des nuages. Non, écoute, ah non, il n'y a pas de château dans les nuages. Réfléchis plus profondément. Va au plus profond de ton consciencieux. Est-ce que tu n'as pas vu un château à tout hasard? Oh si, le manoir. Le manoir. Lequel? Le manoir. Lequel? Lequel? Quel manoir? Mais sur la île qu'on devrait faire après, non? Oh là 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 là, c'est bon, t'es débile, c'est bon, ça sert à rien de faire le jeu avec toi, c'est pas possible. Bon, écoute, je vais te donner une autre énigme. Oui. Celle-là, je peux pas te faire mieux. Au milieu de toutes les autres îles, je me trouve. Ah bah, il fallait au milieu de toutes les autres îles, donc l'île du milieu, l'île de départ, là où on arrivait en C3. Négatif, c'est toujours pas ça, il y a un château au milieu de tout. Mais t'as jamais été au château ou quoi? Ah mais si, au château. Oh là 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 là. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on prend un bateau. Allez, direction le château. Mais t'es vraiment un saugrenu personnage, hein. Tu n'y connais vraiment rien, hein. Bon les gars, du coup j'ai été tourner mon fruit. J'ai eu le fruit de la bombe, c'est vraiment nul pour l'avoir en fruit permanent. Mais du coup les amis, on va lui faire croire tout simplement que c'est le fruit du léopard que j'ai spin. Et du coup il va très certainement être super content. Donc les gars, attendez, on va retourner lui faire croire que c'est le fruit du léopard. 08. Oui. Gros, c'est dingue, c'est le fruit du léopard. Mais non, mais genre, mais c'est le fruit que je voulais en plus. Gros, c'est le fruit du léopard. Oh, mais c'est trop bien, bah let's go. Je suis trop content. Oh non, je vais avoir le fruit du léopard en permanent. Let's go, Nobo, t'es trop gentil, mec. Ok, bon, Servite, mets-toi ici dans le coin. Et là, tu comptes jusqu'à 30, d'accord? Ok, ça marche, je compte jusqu'à 30. Allez, 30.
Ok, ok, moi je fonce caché, hein. Je cache. 27, hop, 26, hop. 25, 24, 23, 22, 21. C'est bon, c'est caché. Ah, déjà, mais t'as mis que 10 secondes. Mais c'est caché, il est caché. D'accord, et est-ce que j'ai droit à un indice là, Nobo? Ouais, attends, j'arrive te chercher. Attends, j'arrive. Je fonce à toute vitesse. Attends, je me rapproche de ton petit museau. Ok. Alors, si je te dis créateur, est-ce que ça te dit quelque chose? Créateur du jeu. Donc moi j'aurais dit Ripindra, non? Ouais, Ripindra, oui, ok, oui. Jusque là t'as plus ou moins bon, on va pas se mentir. Ok, créateur du jeu. Peut-être ici le château, c'est le château du créateur du jeu. Donc c'est à dire que il devrait peut-être avoir une chambre où le créateur dort. Ouais, peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est carrément ça. Donc, on va peut-être monter à l'étage, voir à l'heure actuelle des choses s'il n'y a pas le créateur du jeu qui dort. Non, ok, bon, bah, je prends le coffre quand même. Ouais, on va aller vas-y. Voir de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y aurait pas des chambres en bas peut-être? C'est une possibilité possible ultime. Donc du coup, moi je vais directement me diriger par ici en bar. Okay. Ok, est-ce que ça serait pas le bar? Faites très attention parce qu'après 3 minutes, le fruit il disparaît totalement. Hein. Oh, bah, il faut que je me dépêche du coup là. C'est... Oh mais Nobo, pourquoi? Non, mais t'abuses mec. Ah, mais là, c'est pas une chambre. Là, t'as un fruit du léopard qui peut disparaître à tout moment de la circulation. Hein. Ok, ok. Et est-ce que c'est dans ce bâtiment-là ou dans les autres bâtiments? Ah, bah, moi, tu te débrouilles, hein. T'ouvres tes yeux, tu utilises ton acquis de l'observation, tu utilises tout ce que tu veux et j'espère que tu finiras par trouver. Ici. Est-ce que ça serait pas le créateur du jeu qui dormirait ici? Non, le créateur du jeu ne dort pas ici. Oh là là, alors, attends. Tu veux peut-être qu'on joue à chaud ou froid? Oui, moi je veux bien, oui. Ok, viens en face de moi, viens. Allez. Du coup, là, je peux t'affirmer que tu es tiède. Oh, je suis tiède? Alors, si je vais par là-bas... Ah, il fait froid, il fait glacial. Allez, glacial. Si je vais là-bas... Ah, j'ai froid. Ah, d'accord, et si je vais là-bas... Ah, j'ai froid. Ah, donc c'est d'office dans ce bâtiment, c'est assez sympathique. Hop, alors, de ce côté-là, est-ce que je suis chaud ou froid? Là, tu tièdes chauffe. D'accord, et de l'autre côté? Là, tu tièdes chauffe également. Au milieu, attends, ah, là tu commences à être chaud. Là, tu commences à avoir des petites bulles pour faire cuire l'eau des pâtes. Oh, d'accord. Oh. Derrière le piège. On dirait un sauna. Oh. Un sauna? C'est-à-dire qu'il fait très très chaud? Ah, oui, mais là, il fait très très chaud. Là, c'est clair et net là. Alors, créateur du jeu. Oh, mais ici, c'est peut-être le siège du créateur du jeu. Oui, un fruit. Oui, c'est le fruit du léopard. Merci pour léopard. Let's go. C'est le fruit du léopard. Allez, hop. Je fais regarder, vous voulez voir ce fruit? Oui. Je veux carrément le manger. Allez, c'est parti, je le mange. Quoi? Le fruit du léopard? Quoi? Attends, il a mangé. Mais t'avais le fruit du dragon. Quoi? Mais tu m'as dit que c'était le fruit du léopard? Tu l'as vraiment mangé? Bah oui, regarde, j'ai la bombe. Mais Nobo, mais tu m'as planté là. Mais attends, mais t'avais le fruit du dragon et t'as mangé le fruit de la bombe. Bah oui. Mais t'es un malade. Mais moi je te faisais un prank, mais t'as pas regardé. Mais tu me faisais un prank. Mais pourquoi tu m'as fait un prank? Bah oui, c'est le fruit de la bombe. Nobo. Mais non, mais Nobo, vraiment, bah vas-y, je suis pas contente, c'est quoi? Je joue même plus avec toi, à chaque fois tu me prends, vas-y, je suis dégoûté. Allez, au revoir, ciao. Oh non, au revoir, oh les gars, on a réussi à le prank. Oh non, les gars, bah en vrai, je peux quand même lui offrir la bombe en fruit permanent s'il veut. Zerwin, tu veux que je chauffe le fruit? Non, va te faire voir, sale nain, cosmique. Eh ben toi, va te faire voir par un monstre des mers, d'accord? Oh là là, voilà. Les gars, et franchement cette vidéo était incroyable. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas votre like, votre commentaire et bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous kiffe, je vous love. N'oubliez pas, je suis en live tous les soirs de 21h à 23h sur Twitch. Et n'oubliez pas, à minimum sur le Discord, je fais tout simplement gagner un free permanent. Allez, gros bisous à tous.